Les insectes sont ok. Si je vous dis Insidious, vous pensez tout de suite au célèbre film d'horreur qui nous a tous terrifiés. Mais savez-vous qu'il existe un jeu d'horreur inspiré de cet univers, au point même que l'on retrouve le fameux démon du premier film? Frissons, mystères et jumpscare glaçants vous attendent dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, sortez les pop-corn et bon visionnage. Ça y est, dans Insidious, on est d'accord que dans Insidious il y a de la fumée aussi. Regardez, il y a une porte bleue. C'est pas la lanterne, ça? La lanterne, comme dans le film. Et la porte bleue. On est d'accord que dans Insidious, il y a de la brume comme ça, non? Il est beau, le joint. Ok, ne perdez pas des yeux si vous détectez une anomalie. Si vous trouvez quelque chose de suspicieux comme une anomalie, tournez, faites demi-tour immédiatement. Si vous ne trouvez pas d'anomalie... continuez à avancer. Pour sortir du plan astral, vous avez besoin de trouver la clé à travers ces 13 couloirs. Attendez, attendez. J'ai oublié d'ouvrir celle-là. Si c'est trop fort, on verra, ok. Vous avez vu l'esprit d'Insidious où le temps il est figé, etc. Quand je vous dis que c'est grave inspiré. Oh, j'ai la chair de poule, les amis, je vous jure, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule de partout. C'est vrai qu'Insidious c'est l'un des films qui m'a le plus terrorisé, les amis, donc retrouver ce genre d'ambiance. Je pense que là il doit pas avoir trop d'anomalies. J'en sais rien. Vous me dites si vous avez quelque chose de suspect, mais... je pense qu'il va falloir trouver une clé. Non mais la tête du mec... ça ressemble à fond, hein. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. Regardez sa tête, les amis, j'ai envie de pleurer. Elle va me courir après, vous pensez? Alors, pas de spoil, hein. Franchement, je suis rien spoil à part les 30 premières secondes du jeu. Je sais juste qu'apparemment il est terrifiant, il est difficile et il y a des jumpscares. Mais elle, c'est la pire, c'est la pire. Bah c'est normal, on est dans le plan astral, les amis, donc il n'y a plus de temps et d'espace. Pourquoi elle se cache le visage? On vient de commencer le jeu, ouais. Le téléphone qui tombe tout seul. Oh non, regardez autour du cou, elle est morte. Alors autant eux, ils sont peut-être vivants, mais elle, regarde autour du cou. J'ai la chair de poule, je vous jure. Ça... on peut se mettre à quatre pattes? Oh, la clé! Ok, donc je pense à chaque couloir, faut qu'on trouve les clés. Si vous voyez des refs à Insidious, n'hésitez pas à me le dire, les amis. Parce que je pense que je les aurai pas toutes. D. Et vous avez vu au lieu de la porte rouge, la porte violette. Non, c'est violet ou bleu chez vous? Sachez que chez moi, je savais qu'on allait se prendre la tête sur la couleur. Chez moi, c'est indigo. Je vous promets que c'est indigo, c'est entre le bleu et le violet. Mais mon écran déforme les couleurs. Merci Swan qui dit bleu-violet. Indigo, c'est entre le bleu et violet. Ça, c'est zéro? Ok, je pense qu'il y a 13 couloirs. Faire les 13 pour sortir du plan astral. Pourquoi elle fait ça, les amis? Ça veut dire que je dois faire demi-tour ou pas? Je compte comme anomalie, ça? Elle appelle. Oh putain, c'est bloqué. Oh, c'est bloqué. Ah, mais faut trouver la clé! Oh mon dieu, je crois qu'il faut trouver la clé pour faire demi-tour, les amis. Faut trouver... en fait...
contrairement aux autres jeux, regardez, c'est 1 et 1. Donc faut faire demi-tour, mais on est obligé de fouiller la clé, donc on va être obligé de la voir. Oh, quelle angoisse. À part si la clé se trouve là. Elle, c'est celle qui me fait le plus peur, je vous le dis. Retenez, hein, les amis, parce que faut regarder s'il y a des anomalies ou pas. Hein. Des fois, c'est des trucs... Des fois, c'est des détails. Hein. J'ai lu des commentaires sur le jeu, apparemment, c'est vraiment dur des fois. Donc, faut bien qu'on fasse gaffe aux détails. Sans tomber dans la parano. C'est pas notre genre, bien sûr. Salut, Touplex. Il y a un bébé, j'ai pas regardé. Oh quel enfer, il y a un bébé. Elle ressemble un peu à la nonne. Non, je trouve pas. Mais par contre, elle a une tête démoniaque là. Elle a un sourire. Bah de toute façon, là on sait qu'il y a une anomalie. Hein. Elle, c'est pas normal qu'elle nous regarde, je crois. Mais à mon avis, la clé, elle est... Ils ont foutu la clé là. La clé, elle est là. Je l'ai vu, ça va, elle était. Ah, des blocs de jouets, tu veux dire, Julie? On m'a pas attaqué. Ok, on se barre, on fait demi-tour. Donc, si on a vu juste, là, ça doit être deux. C'est bon, on a vu juste. Ok. Ouais, les cubes. Ah, ces cubes-là comme dans Insidious? Ah! Hello? Oh mon dieu, Hellcoming, les amis. J'avais pas vu. Bien vu. Hellcoming. Comment traduire ça mieux que l'arrivée de l'enfer? La fin des temps, l'apocalypse? Bref. L'enfer sur terre, quoi. Ok, là on a eu la chance, les clés sont faciles. Faut qu'on regarde s'il y a des anomalies ou pas. Pour l'instant, ça m'a l'air ok. Il y a tellement de détails. Lui, regardez son journal. Je crois qu'il y avait des personnages ici. Les cadres, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était ça, les cadres. La photo du chat n'était pas la même, c'était un siamois. Oh, c'est mon chat! On dirait mon chat, sauf qu'il a les yeux verts, mon chat. Il a la tête noire avec le torse blanc. C'est pas le même chat. Oh, bien vu. Drogoena, bien vu. C'est le chat, les amis. C'est pas le même. Alors, le jeu peut aller vite, comme on peut passer du temps dessus. Mais apparemment, pas mal de monde passe du temps dessus parce qu'il est pas, facile de ce que j'ai vu. Merci Mélachou pour les 11 mois, bientôt les 1 an. Hein. Merci à toi Mélachou pour ta présence, j'espère que tu vas bien. Attendez, j'ai bien fait demi-tour là. Je me suis planté ou pas? Merci Pietro pour les 2 mois, c'est le feu follet au bout des 2 mois. Merci à vous pour le train de l'hype. Ouais, Amandine, il faut que tu utilises les rouages et que tu diminues la qualité, je pense que ça va aider. Si ça bug, parce que sur Twitch, et moi j'ai aucun souci en général, c'est là où il y a la meilleure qualité. C'est parce que peut-être vous mettez en HD alors que vous n'avez pas la connexion pour ou... On est au 3. Essaye ça, t'essayeras mieux. Effectivement, c'est un si à moi. Mais c'est pas possible les amis, elle va nous manger la tête au bout d'un moment donné. Vous avez vu son sourire? Le chat il est ok. Là c'était Hellcoming. Le bébé il était comme ça. Les tableaux ont changé? Non, les tableaux il y avait un cerf et là il y avait des pélicans ou des flammes. Non, des flamants roses ça. Donc ça c'est ok. Pour moi les tableaux sont ok les amis. Putain, j'ai pas vu qu'il était là lui. Avec sa veine sur le front. Alors les papillons, j'ai pas regardé. Oh les papillons, j'ai pas du tout regardé les amis. Des hérons, ça va être des hérons. C'est pareil, des pélicans, des hérons. Ça a des ailes quoi et des pattes.
Les papillons, j'ai pas du tout fait gaffe, c'était comme ça. Le journal était bon, non? Non, le journal était bon, je crois. Ah mais la queue on l'a déjà, je suis bête. Merci Tonio pour les 110 bits, merci à toi, merci à Sean pour les 7 mois. Merci à toi pour les 7 mois de soutien, merci pour le train live les amis, pour votre présence avant tout. Elle a pleuré, je crois que là c'est ok. Il y a juste les papillons, j'ai un doute, tout ce qui est insecte j'avais pas fait gaffe, j'avais pas regardé. Le père bouge plus sa jambe, c'est vrai? Là il y avait un papillon. Les tasses de thé, j'ai pas fait gaffe. Putain j'ai pas assez regardé. Oh c'est nous. Le jeu il est beau hein, ils sont bien faits hein, quand même les persos. En plus ils tournent bien le jeu. Tapez-moi 1 dans le chat si c'est ok, 2 si c'est pas bon. Le jeu d'échecs, 1 si c'est ok dans le chat, 2 si c'est pas bon. Si c'est 2 dites-moi l'anomalie hein, que vous voyez. Bah le jeu d'échecs il m'a l'air normal. Pour moi c'est du 1 les amis, j'ai l'impression que tout est ok. Si le chat c'est le même justement. On va avancer, il y a plus de 1. Merci Minipad pour les 400 bits. Merci à toi Mimi. Merci beaucoup pour le soutien. Je sais pas si on redescend d'un rang ou si on repart à 0. 4, on est bon. Non c'était bon les amis. Il n'y avait pas d'anomalie a priori. Il faudrait qu'on trouve une boucle. On va toujours commencer par la gauche. Les pélicans sont bien là. Le jeu d'échecs, je pense qu'il est ok. La dame qui fait super peur. Mais en plus, c'est bizarre. Regardez avec quoi elle a rose. Elle a rose avec... La jupe, elle est normale, non? Elle était comme ça, la jupe. Elle a un arrosoir minuscule. Lui, il était comme ça. Il bouge son pied. Le cri du bébé il est chelou j'avoue. Le bébé il était comme ça. Hell coming c'était comme ça. Merci Nitselova pour les 8 mois. Merci à toi pour les 8 mois de soutien. Sur la table basse c'est le jouet d'Insidious. Ça c'est dans Insidious. Je m'en rappelais plus. De ce que j'ai lu il allait avoir des jumpscares, des choses comme ça. On verra, j'essaie de pas trop me spoiler les jeux. Mais j'ai choisi en seconde partie de soirée parce qu'on m'a dit qu'il était bien flippant. Donc on va voir. Là je commence un peu plus à m'habituer à l'ambiance. J'étais pas bien là, les deux premiers tours j'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment la chair de poule. Là ça va légèrement mieux. Je me méfie un peu. La clé elle est là je crois. Thank you. Merci Lamo pour ton sub gift. Merci à toi. Non, le jouet, c'est dans Conjuring, Gallo. C'est peut-être dans Conjuring, ouais. Merci beaucoup, l'amour, pour le soutien. Elle parlait comme ça, elle, hein. Il y en a bien un qui va nous sauter à la tronche. On a la clé. Les insectes, ils étaient comme ça. Ça, ils sont bons, je crois. Il y a un qui me choque. Ça y était, ça, les amis. Le sang, ça y était pas. Le sang, ça y était pas, on est d'accord. Je crois que le sang, ça y était pas, mais je suis pas sûr, j'ai pas beaucoup regardé à gauche. Ça, ça me semble du 2. C'est du 2. 2 anomalies, 1 c'est ok. Moi j'aurais dit 2 les amis. On fait demi-tour. Ouais, trop beau les insectes, je déteste ça, ouais. Le téléphone, c'est normal, ouais, c'est comme les horloges, on est coincé dans le plan astral, donc... Ok. Bah, on n'a jamais trop regardé, ouais, c'est pour ça. Non, c'est bon, 5. Le bébé, quelle angoisse. Le bruit du bébé, quelle angoisse. Hell coming. Oh, ces tableaux, j'ai pas fait gaffe, il me semble bizarre ces tableaux. Mais j'ai pas fait gaffe à ces tableaux-là.
On doit en faire 13, comme par hasard 13. Pour réussir à sortir du plan astral. Lui, il... c'est moi ou il le tient à l'envers? Il le tient à l'envers? Attendez, là il est à l'endroit. Ah mais non, mais c'est normal parce qu'il a plié la page. Je pense que c'est normal, vous savez comment on plie la page? Ouais, c'est ça, c'est normal. Le jouet il était là, le chat il est ok. Pour moi tout m'a l'air bien ici. Ça me fait tellement peur elle. Il a toujours tenu à l'envers, ouais c'est parce qu'il le plie en deux en fait, c'est normal. Bonjour madame. Vous aussi le compte CPF, ça vous en... Mais faut pas pleurer madame. Ils font ça à tout le monde, compte CPF, vous inquiétez pas. La clé est là. J'ai pas beaucoup regardé ici, mais ça m'a l'air ok. Putain, j'ai pas regardé sa photo. Elle était comme ça, sa photo. Il y a plein de détails où j'ai pas fait assez gaffe. Ça m'a l'air ok, mais j'ai un petit doute. Ça, c'est ok. Je crois que c'est ok, ça, les insectes. Là, c'est ok. Moi, ça m'a l'air d'être du 1, les amis. C'est 1 ou 2 ? Ah, mais on peut ouvrir là ? Vous pensez qu'il y a des anomalies à checker là ? Putain, je me demande s'il y a des anomalies à checker là. Ouais, plus de sang. Il y a plus de sang, donc effectivement, c'était bien une anomalie, le sang. On est en train de défoncer sa garde-robe pendant qu'elle pleure. Pour moi, c'est du 1. C'est du Justin. 1, c'est ok. 2, il y a une anomalie. On avance. Jeu d'échecs, il était normal, hein, je crois, le chopper. Hein. Bah, les 5, pour moi, c'est ok. Hein. Non, l'échec, il est normal. Hein. Ouais, on va partir du principe que c'est du 1. Si un jour je fais un voyage astral, les amis, paraît-il, on en fait tous les soirs, je veux juste pas tomber sur elle. Je m'en fous, mettez-moi devant qui vous voulez, mais pas elle. Non, c'est bon, là, ça l'a validé, je crois. Je crois, hein. Attendez, j'ai avancé en mode. Ah, c'est pas bon, les amis. On a pas bon. Merde! Ok. J'ai lu dans les commentaires qu'il était pas facile, les amis. Hein. J'ai besoin de vous parce qu'apparemment, il est vraiment pas facile. Hein. Surtout si ça score sur tous les trucs en avançant de niveau. Ok. Le premier, je pense qu'il faut juste la clé. Je pense pas qu'il peut avoir d'anomalie au premier. Vous pensez que c'était les cintres? Vous pensez que c'était les cintres? Ah bah c'était deux. C'est sûr que c'était deux, hein, les amis. Si ça revient au premier niveau, c'est que c'était deux. C'est qu'on a eu faux. Mais par contre, qu'est-ce que c'était? On va voir l'armoire, comment ça réagit. Putain, c'est l'armoire. Vous avez raison pour les cintres. Vous avez raison pour les cintres. Donc faut bien qu'on regarde tous les trucs. Pour moi, les cintres, je pensais que c'était normal. Ah, la vache, était sain. C'était ça. Attendez, je vais avancer. Je pars du principe que le premier, au niveau 0, normalement, c'est ok. Ok, on saura maintenant. Bah, moi, je me suis dit, c'est normal, les cintres qui se pètent la gueule. Moi, c'est le bordel dans les placards chez moi. Je me dis, bon, ça me choque pas, quoi. Les pélicans, ils sont là. La dame habillée en violet, elle est là. Lui avec son journal. C'est ok. Hell coming. Le bébé il était comme ça. Il avait les yeux fermés. Merci Mikasa pour faux. Bien ma commu. Il avait les yeux fermés. Par terre quoi? N'hésitez pas à me dire les amis.
Le chat, on va aller voir. Le chat, il est ok. Moi, par terre, ça m'a l'air ok. Hein. Le sang sous bébé. Ah, j'avais pas vu le sang sous le berceau, les amis. Vous avez raison. J'avais pas vu. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, on repart en arrière. Normalement, on doit être au 3 là. Ah merde, j'ai pas la clé. Je pense pas qu'il peut avoir deux anomalies dans le même niveau. Peut-être que la clé peut être dans l'armoire. Non. Je sens qu'à un moment donné on va passer là et elle va nous sauter dessus. Je sais pas pourquoi, je le sens. Bah elle est où la clé? C'était dans l'autre salle? Vous avez vu la clé? Dans le placard du salon? Je la vois pas. Je crois pas qu'on puisse ouvrir les portes du bas. Vous l'avez vu sur la coiffeuse? Ah ouais? Attendez, je vais aller revoir la coiffeuse. Ah, elle est sur le côté. Putain, j'avais pas vu. Bien vu, elle était planquée derrière. Ok. Donc là, il y avait le sang du bébé, donc on repart en arrière. Donc là, on doit être en 3. 3. Il y a eu comme un chargement, je me méfie les amis. Il y avait un petit freeze, c'est qu'en général ça a chargé une saloperie. Les pélicans sont là. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un petit chat ici en céramique. Mais je crois que c'est ok. La clé est là. Je vous prends ça madame. Si ça vous dérange pas trop. Voilà. Salut Salem, coucou les arrivants. C'est ok. Hellcoming. Pour moi ici tout est en 1. J'ai un petit doute sur ces tableaux là. J'ai pas fait gaffe, il y avait l'orage là. Il y avait l'orage ici. Le jeu il est ok. Et le piano c'est ok hein, pour moi. L'armoire. Je vais l'ouvrir au cas où. Je pense pas qu'il puisse avoir des... Attendez, c'est moi, il y a un fusil sur le côté. Il y a un fusil les amis. Il y était? Ah putain, il y était ou pas? C'est lui, Mialis, coucou les arrivants. Ah, j'ai un doute sur le fusil, les amis. Ça paraît suspect. Elle est géniale, la musique. Il y était? Le cadre orage me semble bizarre. Le fusil y était, ok. Pour le cadre orage, c'est 1 ou c'est 2? 1 si c'est ok, 2 si c'est anomalie. Pour moi, je pense que c'est ok. Ça m'a pas l'air un truc. Je pense que s'il y avait une anomalie, ils auraient mis un visage de démon ou quelque chose comme ça. J'aime bien ce que sur Twitch, j'ai que des 1 pour ça et après sur TikTok, que des 2. C'est Devious Pass, le nom du jeu. Hello les arrivants. Merci les amis TikTok et YouTube, les arrivants, pour vos follow. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch aussi. Si vous voulez du HD, les notifs. On est très nombreux à vous accueillir avec plaisir. Merci Joe pour follow. Bien connu. C'est du 1, je pense que c'est ok. C'est un jeu d'horreur et d'anomalie inspiré de l'univers de Insidious. Ce qui arrive. C'est ça que vous retrouvez un peu les codes et l'ambiance. Ça c'est ok. On va tester le placard du coup. Ça m'a l'air assez ok pour l'instant. Ça m'a l'air assez ok. Moi j'aurais dit 1 les amis. 1 ou 2. Moi j'aurais dit 1. Si c'est 2, n'hésitez pas à me dire c'est quoi. La plante était à côté du meuble, c'est-à-dire. Dans le téléphone, c'est normal, il était déjà comme ça. Ouais.
Les personnages sont bien faits en plus. Merci Camille pour le follow. Bienvenue à Camille. Merci Espionne Rousse. Premier mois de sub avec le Prime. Merci à toi. Nouveau petit fantôme dans la commu. Merci à toi. Bienvenue parmi les petits fantômes. Moi je dirais 1 les amis. C'est bon, il n'y avait pas d'anomalie. Les pélicans. Ça vous fait pas tilt? Ça fait au moins 20 minutes que j'arrête pas de les appeler pélicans pour vous taquiner. Je me suis dit, il y en a bien qui va s'énerver à dire que c'est pas un pélican. Mais c'est pas un pélican. Il y a quelqu'un? Oh mon dieu, les amis. Oh mon dieu, la forme de la tête, ça ressemble au démon de Insidious. Merci Riley pour le follow sur Twitch. Oh les amis, la forme de la tête, ça ressemble au démon de Insidious. Non mais je pense pas que ce soit ça. Non, c'est trop petit. On va voir, les amis. On va voir. On est d'accord, hein, il a les cheveux comme ça, le démon dans Insidious. Ceux qui connaissent Insidious, on est d'accord que ça ressemble... La forme de la tête ressemble au démon du 1. Mais normalement, il est... Oh mon dieu, c'est lui. Putain, il a les marques sur lui. Me dites pas ça, j'ai l'impression que c'est lui. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Les amis, c'est lui, on est d'accord. Aidez-moi, madame. On est d'accord que c'est lui. Oh mon dieu. Oh non, faites qu'il ne court pas après. Je peux pas, les amis, je vous jure. J'en ai fait des cauchemars et des cauchemars de ce démon. Je trouve que les deux premiers Insidious, que ça soit la Maria en noir ou le démon du 1, ils sont terrifiants. Vraiment. Ah, ça m'a foutu la chair de poule. Je vous jure, j'ai les poils qui sont hérissés, là. Il avait plein de marques sur lui. Merci Brian pour le follow sur Twitch. Bienvenue à commune. Ça va pas être exactement le même parce qu'ils ont pas le droit au niveau des droits d'utilisateur, d'auteur, etc. Mais il a la même forme avec des marques. Bah là il est parti. Bon c'est deux. On a pris la clé? Non j'ai pas pris la clé. Merde j'ai pas la clé. Elle est où la clé? Vous l'avez vue? J'ai envie de repartir. Elle est où la clé les amis? Ouais ça qui est bien c'est qu'il faut chercher les clés en fait. Donc... Je pensais qu'elle soit là. Non hein. Ouais ok. Il faut qu'on prenne la clé et après demi-tour. Ils ont remplacé le code couleur rouge de Insidious par du bleu. C'est pour ça qu'on voit les portes bleues, etc. Mais c'est un peu pareil. Bonjour. Je pense pas que la clé puisse être planquée là. Eh, salut le fils, ça roule. Hello les arrivants. Non, non, mais là, de toute façon, il y a un démon, les amis. C'est deux, c'est sûr. Il peut pas. Je pense pas qu'il peut avoir deux anomalies. Là, il y a le démon qui s'est montré, c'est sûr... Je dis bonjour Annie, je sais plus. Hello les modos, ok, j'ai pas vu. On dirait le même Riley, je te le jure. On est d'accord, ceux qui ont vu Insidious 1, ils savent pourquoi ça nous met autant en panique. Ok, 5. Je me demande ce qui se passera à la fin. Ça va bien finir ou pas à votre avis? À votre avis, ça se finit comment? Moi je sens que quand on a fait les 13, il y a le démon qui arrive. Je sais pas pourquoi. Me spoilez pas si vous savez. Hein. Salut Claire. Mais je sens que quand on a fait les 13, il y a un truc qui va se passer, genre le démon va nous sauter à la gueule et on va mourir. Je le sens. Mais alors, venir. Ok, il n'y a pas de sang. Hell coming. Bon, je le réussis mieux que tout à l'heure. Je m'améliore en bruitage de bébé. Ça m'a l'air ok pour l'instant. Le fusil il était bien là. Et le chat est ok. Tout m'a l'air ok là pour l'instant. Même la madame qui fait peur. Les pélicans sont bien là. Merci Dorothée pour les 6 mois. C'est le grand fantôme des 6 mois. C'est vrai? Bah merci à Doite, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. J'ai toujours l'impression qu'elle parle un peu différemment, mais c'est juste qu'elle respire fort, la madame. Ok, on a la clé. Merci Milou pour le follow game.
Bien mis, Akomi. Il faut bien qu'on fouille ce placard. L'armoire du salon, je suis pas sûr qu'il puisse avoir des anomalies, mais là... C'est les tâtonnettes. Les insectes sont ok. C'est lui, je vais pleurer les amis, c'est lui. Oh les amis, c'est lui. Je savais, hein, je savais. Il était censé avoir des trucs, des jumpscares dans le jeu. Oh mon dieu, c'est lui, il ressemble trop. Il ressemble trop. On dirait le démon du 1. Il avait moins les marques rouges, mais il avait la même tête. Il a la même tête, c'est le démon du 1, c'est le démon d'Insidious, les amis. C'est 2, hein, du coup. Hein. Oh la vache. Oh, et puis il était planqué derrière le truc, quoi. Il était planqué le fond derrière le truc, quoi. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, les amis. Je voulais vraiment qu'il fasse très peur, et apparemment, j'ai vraiment vu dans des commentaires qu'il faisait vraiment très peur, donc tant mieux. Je trouve que le mélange anomalie, plus faut chercher les clés comme dans un jeu, donc il y a un peu énigme, plus l'aspect Insidious, plus les jumpscares. Trop bien. Merci, petit patate bleu pour follow. Bienvenue à Commu. On est aussi. Je crois que je l'ai entendu en plus. Ça y est, j'ai peur, les amis. Elle est pas là. Pourquoi elle est pas là? Oh non, pas elle. Elle me fait peur. La femme, elle est pas là. J'ai envie de mourir, les amis. Je sens que ça va être de plus en plus flippant qu'on va s'avancer dans les niveaux. La dame, elle est pas là. Donc, ça, non, mais le problème, c'est qu'on peut pas. On peut pas simplement faire demi-tour et se barrer comme dans d'autres jeux. On est obligé de chercher la clé. Donc, on est obligé d'avancer dans ce niveau de l'horreur. Ça se trouve, elle est planquée quelque part pour nous sauter dessus. À la fenêtre, il y a un visage. Ok, faut qu'on trouve la clé et on se barre d'ici. Faut qu'on trouve la clé. Faut qu'on trouve la clé. Oh mon dieu. Je pense que les premiers nouveaux sont calmes. Et que ça s'intensifie. Parce que là, ça fait deux portes d'affilée où ça craint, là. Merci, Hatsbani. Ashbani, pardon, pour follow sur Twitch. Bienvenue à Komi. Hello les arrivants. Faut pas que j'oublie que ce tiroir il s'ouvre aussi. Je sais pas s'il peut avoir plusieurs jumpscares au sein d'un même tour. Donc faut qu'on se méfie, je me méfie de ça. La clé doit sûrement être dans la coiffeuse à mon avis. Parfait. On se barre de cet étage de l'enfer. Ce qui est bien c'est que ça fait quand même avancer d'un niveau. Donc là c'est 2, hein. Je crois qu'on est tous d'accord. On n'est jamais allé aussi loin. On était allé jusqu'à où? C'était quoi le maximum, les amis? C'était 5? C'était 5 ou c'était 6? Les amis TikTok, merci à vous. N'hésitez pas. Utilisez les points de chaîne. Vous avez les petits diamants verts qui sont à gauche sur TikTok. Ça aide beaucoup. Vous avez juste à dépenser en cliquant sur le bouton partager. 5, 6. Je vois du 5 et du 6. Pour moi, on n'est jamais allé jusqu'au 7. Ouais, ça devait être 5 ou 6. Je pense que c'était 5, ouais. En tout cas, le 7, on l'a pas fait. Merci à vous pour votre présence avant tout. Ok, la dame flippante, elle est revenue. Le chat est ok. Son journal a l'air ok. Bébé. Ah, il faisait plus de bruit. Il faisait plus de bruit, je me suis dit c'était pas normal. Elle coming, à mon avis, je sens qu'à un moment donné ça va être marqué genre je suis derrière toi. I'm behind you, je suis derrière toi, un truc du genre. Merci pour les 100 000 likes les amis TikTok. Un peu Nicox, un peu l'horreur, ouais. Merci à vous pour les 100K likes, vous gérez de ouf les amis TikTok. Trop content d'avoir une commu comme ça sur TikTok.
Elle était juste partie se repoudrer le nez? Ouais bah... Elle est là la clé. Merci Morgane. Merci pour le Dino Cap. Merci beaucoup à toi Morgane. L'eau est arrivant. Le pélican est là. C'est ça Murphy. Les pélicans sont là. La dame habillée en violet est là. Ça c'est ok. Le fusil était là. On a eu la clé de toute façon. Ok, faut juste qu'on regarde si on a eu la clé. Hein. Non, pour moi le père il était ok. J'ai peur qu'il soit là maintenant. Moi j'ai l'impression que c'est un. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'anomalie. Coucou. 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 Je vais faire karma, il y a un truc qui va sortir du miroir, vous allez voir. Non, je pense pas qu'il faut s'embêter à ouvrir tous les tiroirs où il peut avoir les clés, les amis. Je pense que là, ça, il peut pas avoir les clés. Je pense pas qu'il puisse avoir d'anomalie dans les tiroirs. Je le fais, mais je pense qu'il faut pas trop qu'on se prenne la tête avec ça. Bah si, pourquoi il est habillé comment? Non, mais le père, il est normal pour moi. Le père, il est bizarre ou pas, les amis, pour vous? Moi, pour moi, il est ok, hein. Ah, je vois ce que tu veux dire, il fait les abdos. Ouais, il était déjà un peu bizarre. Je suis d'accord que ça peut paraître bizarre, mais il était déjà comme ça. Bah, ça, j'avoue que ça, il va peut-être avoir une anomalie dans lequel... Franchement, je pense qu'il y aura une anomalie où que si on se regarde, ça sera pas nous ou un démon. Il y a moyen que c'est un truc à checker pour les anomalies de miroir. C'est un ou deux. Dites-moi dans le chat. Un, si c'est ok. Deux, s'il y a une anomalie. Pour moi, c'est ok. En même temps, on a fait deux tours d'affilée où il y avait anomalie, donc... Ok, une très large majorité de 1. Hein. 8. On est bon, les amis. On tient le bon bout. On est en pyjama parce que... Ah, t'arrives encore, Mitsuko. En fait, c'est très inspiré de l'univers de Insidious, les amis. On fait un voyage astral. C'est pendant qu'on dort, on a notre âme qui sort de notre corps et on est sur le plan astral. C'est pour ça qu'on voit des trucs bizarres et il y a des démons qui nous stalkent. L'échec, ça m'a l'air ok. Les pélicans sont ok. Madame, elle est contente. La clé, elle est là. Même la clé, ça fait penser, il y a un Insidious, je crois, qui est sur la thématique des clés. Coming. Les cubes, c'est bon, hein. Le père, il regarde bien son journal. Ça vous dérange ou pas? Je regarde le journal au-dessus de votre épaule, ça vous gêne ou pas? C'était dans le 4, hein. Le feu? Il est allumé, le feu? C'est allumé? Je me souviens plus, les amis, vous êtes nombreux à me dire la cheminée. Ouais, sur TikTok aussi, il me confirme, ouais. Ok, donc c'est 2, donc on fait 8 tours. Ok, ok, ça marche. Je vous croive. Donc on fait demi-tour, on va être au 9. Merci Boudère pour follow sur Twitch. Bienvenue à la commis. J'ai juste peur de recroiser le démon, moi. On l'a croisé deux fois, du coup. Hein. Une fois, il était dans le coin là-bas. Et une fois derrière le... Comment ça s'appelle? Le... Pas le coupe-vent, le... Putain, j'oublie les mots. Le paravent. L'homme? Ah bah dites pas ça quand vous me dites l'homme, j'ai l'impression qu'il y a le démon. Merci San Timothy. C'est vrai? Oh merci, c'est trop gentil, merci pour ton message. Et GG à toi pour les 2 mois. C'est le feu follet, merci Steamsou également pour follow. Bienvenue à connu. Le père il est toujours assez bizarrement, il doit avoir des abdos en béton par contre. Hein. Hell coming. Les tableaux, je crois qu'ils sont bons. Il peut être au plafond. Putain, j'avoue, je regarde pas assez le plafond. Vous avez raison, en plus. Non, ça va. Les tableaux sont ok. Il y avait l'orage. Pour moi, cette pièce, elle est ok pour l'instant.
J'ai vu l'horloge radio. Pour moi, c'est ok, mais on retournera voir si vous voulez. J'ai eu la clé ou pas? Putain, je sais plus si j'ai eu la clé, les amis. Je l'ai pris la clé déjà? Dans ce couloir? Si, si, son pied est bougé. Non, pas encore? Ok. Le papillon. Le miroir a l'air ok. Putain, on n'a pas la clé, c'est quoi ce bordel? Vous êtes sûr qu'on l'ait pas pris la clé? Je trouve pas la clé. Pour moi, pour l'instant, tout est ok. À part le fait qu'on n'ait pas la clé. Merci Christelle pour Follow sur Twitch. Bienvenue à Commu. C'est un jeu. En fait, c'est inspiré d'Insidious, Christelle. Je sais pas si tu connais Insidious. Pour ceux qui arrivent, on doit passer 13 couloirs à la suite. Faut savoir s'il y a une anomalie ou pas. Mais en même temps, c'est pas qu'il faut trouver des anomalies. S'il n'y a pas d'anomalie, on va tout droit. S'il y a une anomalie, on fait demi-tour. Donc faut passer 13 portes. Donc un peu la porte rouge de Insidious. Sauf qu'il y a le démon d'Insidious qui est là, qui nous stalk et des fois qui nous jumpscare. Et il faut trouver la clé pour avancer. C'est pas uniquement s'il y a une anomalie, on avance ou pas. Faut chercher, fouiller. Dans ma main droite? Non, je l'ai pas. J'ai pas la clé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'anomalie, mais je vois pas où est la clé. Elle est là? Elle est là. La radio, elle était comme ça déjà. Et l'horloge, elle tourne en boucle. Donc pour moi, c'est du 1. 1 si c'est ok, 2 s'il y a une anomalie, vous en pensez quoi? Le feu est ok, il est revenu. On a pris la clé. Pour moi, c'est du 1, les amis. Genre avancer tout droit, j'ai l'impression que c'est ok. On n'a pas vu de démon déjà. C'est une bonne chose, c'est du 1. Ok. On est d'accord. Et on avance, hein. Si on est bon, ça sera 10e. Faut en faire 13. 10. On redémarre à 0, hein, si on se plante. Après, c'est pas grave parce qu'il y a des anomalies qui reviennent. Donc, plus ça va, plus on sera fort. Mais... Enfin, je veux dire, plus ça ira vite, les trails d'après, normalement, mais... Mais là, on est pas mal. On est au 10e, hein, on peut le faire, hein. Ça c'est ok. La clé je la vois, elle est là. Le démon il est pas dans le coin là-bas. Ouais, le jeu d'échecs, j'ai pas assez bien regardé. Les pélicans sont là. Le jeu d'échecs il est ok. Le père il fait ses abdos en lisant le journal. Les enfers arrivent sur terre. Le bébé de l'enfer il est là. Placard, je vais l'ouvrir au cas où, mais je suis quasiment sûr que ça sert à rien. Je pense pas qu'il peut y avoir d'anomalie dans les placards. Ouais, le feu il était aussi fort, non? Je pense que c'est bon. Hein. C'est un peu comme le petit hasard dans le train, c'est ça. C'est un mix entre un jeu d'anomalie et un vrai jeu de... d'horreur. Le fusil y était, non? Y était pas le fusil? Vous mettez le doute, vous êtes plusieurs à me demander si le fusil était là. Ouais, c'est bon, il est là. De toute façon, quand il est pas là, je pense qu'il est remplacé par le démon. Putain, on aurait dit la dame blanche, le truc. Ça, c'est ok. C'est ok, faut qu'on regarde dans le placard s'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe. Vous avez un doute sur les tableaux? Pour moi, c'est ok les tableaux, mais... Le miroir, ça a l'air d'être ok. Ça, c'était comme ça. Les insectes sont comme ça. L'autre, il est plus caché là. Moi, j'ai l'impression que c'est ok, les amis. Oh! 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 Ça y était? Oh, les amis, j'allais pas voir. J'allais dire, ça se trouve la croix à un moment donné elle va être à l'envers. C'est une anomalie, on est d'accord. Oh le réflexe, moi qui ai le, mon gros défaut c'est que je regarde jamais les plafonds. Je sais pas là, ça m'a attiré l'œil. C'est du 2 hein.
Oh la vache, fallait le voir. Ok, on fait demi-tour, on est d'accord. Pour une fois que c'est moi qui vois le truc en premier. Ouais, c'est ça, Max, c'est ce que j'allais dire. 11. Oh mon dieu, on est presque à la 13e porte, les amis. C'est quoi vos théories dans la 13e porte? Après, on va peut-être juste revenir dans le corps et tranquille. Hein. Ce sera peut-être juste la fin du jeu générique. Franchement, faut qu'elle la réutilise pour un autre jeu d'horreur, elle. Faut vraiment qu'il l'utilise, ce modèle, il est trop bien. Elle fait tellement... C'est son sourire fait tellement peur. Voilà, les mondes d'Insidious, on se l'est déjà tapé deux fois. Hein. Hell coming. Vous savez ce que le proverbe, hein, jamais 203. Hein. Le fusil est là. On a toujours pas la clé. Hein. Il va nous courir après, on va se réveiller. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Il bouge plus son play, Nimco? Si, si, c'est bon. Le bébé était ok. Hein. Il va se passer un truc avec le bébé à un moment donné. Il n'y a pas le pentacle là. Pas de clé. Excusez-moi madame. Voilà, vous êtes encore gentil. Ok, tout va bien. Ah, je pensais que je pouvais l'ouvrir. On check le placard. C'est le JBM. Et les arrivants. Les pions d'échecs ont bougé? Les pions d'échecs? Non, 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 c'est bon. Et le piano est ok. Non, là, au plafond, tout est ok. Vous avez mis le doute. Pour moi, pour l'instant, tout est ok. Juste, faut qu'on trouve la clé. Elle est là. Ok. Un ou deux, les amis. Un, si c'est ok. Deux, s'il y a une anomalie. Si c'est deux, n'hésitez pas à me dire quoi, à votre avis. Le miroir, ça m'a l'air ok. Il est plus là, hein. Le jumpscare était tellement bien fait les amis parce que c'était en plusieurs temps. Il était incroyable. Ce jumpscare là, il était incroyable celui qu'on a eu là. Les deux apparitions du démon étaient trop bien. Parce que celle qui était au loin, en mode à nous stalker, et celle-là. Hein? Ses yeux c'était déjà comme ça normalement. Deux, il manquait un point d'échec? Non, je pense pas qu'il y aurait un truc aussi... aussi au pion près. Je pense pas. Parce que les anomalies qu'on a vues, par exemple, c'est pas genre le chat, il a un œil qui a changé de couleur, c'était un chat complètement différent. Les initiales sur piano, je crois qu'elles sont ok, non? AAD. En plus, AAD Games, ça doit être le nom du studio. Pour moi, c'est du 1, les amis. Le jeu d'échecs est ok. Le fusil, je crois qu'on l'avait vu FB, mais j'ai rechecké. Le fusil est ok. La croix, je suis pas allé voir la croix à l'envers. Non, tout est ok. Hein. Le bébé, il était déjà flippant. Hein. Les pélicans. Non, les pélicans, ils sont bons. Imaginez, ils ont prévu une anomalie. Au lieu d'avoir des hérons, il y a des pélicans à un moment donné. Je serais mort de rire si on tombe dessus. Eh ben, les initiales du piano, c'était pas ça? Normalement, c'est bleu. Oh, les amis, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. On va redémarrer de zéro. Le piano, il est ok ou pas pour vous? Pour moi, le piano, il est ok. Hein. On me dit sur TikTok les initiales elles étaient en bleu, moi j'y crois pas. Pour moi c'est doré les initiales d'un piano comme ça. Non le piano il est ok ouais. Dites pas au pif hein, si vous savez pas, après c'est pas grave si vous vous trompez mais on est au dixième. Moi j'aurais dit hein les amis, je crois qu'on va y aller hein. Les plafonds j'ai regardé hein, c'est bien Amandine, coucou les arrivants. Pour moi tout est ok les amis hein. Après peut-être t'as raison hein, je dis pas hein, mais j'ai l'impression que moi le piano il était comme ça. On va avancer les amis, quasiment tout le monde dit 1. Putain on est... ça va être au 11ème. On était au 10 ou au 11 là? Non on était au 10. Là ça va être le 11ème, si on a bon. On est bon, on est au 12ème tour les amis. Oh putain on a l'avant-dernier.
Le feu. Le feu, c'est pas normal qu'il soit bleu. Le feu, on est d'accord. Hein. Bon. Par contre, faut quand même qu'on trouve la clé, donc... Donc le démon peut toujours intervenir. On peut pas juste faire demi-tour. Elle est là en plus, la clé. Elle est juste là. Putain, on va peut-être le faire, les amis. C'est du 2, hein. J'ai trop peur de me louper au dernier, les amis. 13, j'ai trop peur de me louper au dernier. Est-ce qu'il y a un modo pour faire une prédiction? J'ai peur aussi. Est-ce qu'il y a un modo pour faire une prédiction sur Twitch? Genre une minute pour savoir si on va réussir ou pas. Enfin, si on va réussir ce try là. Hein. On aura le temps de refaire un try en mode speedrun si on se loupe. Mais on va faire une prédiction d'une minute. On va faire voter sur Twitch, les amis. Merci les amis TikTok pour les follow. Merci pour les amis YouTube aussi pour les follow qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également, les amis. On est super nombreux à vous accueillir. Avec grand plaisir. On fait que l'horreur ici, si vous aimez ça. Merci UMD pour Flo. Bienvenue à la commu. On va avancer. Hein. On fait juste un petit sondage sur Twitch. Enfin, pas un sondage, pardon. Une prédiction. Une prédiction pour savoir si on va réussir ou pas. Moi, je pense qu'on va le faire. On va prendre notre temps. Allez, vous avez 50 secondes pour voter. N'hésitez pas. J'attends parce que si c'est trop obvious qu'on va ouvrir la porte, on va savoir qu'on va le faire. Parce qu'il y a des anomalies, elles sont faciles, et il y en a d'autres, on s'est fait avoir, donc... Faut que je mette mes lunettes, Brice, peut-être, on verra. Vous en pensez quoi sur TikTok? Ouais? Qu'on va le faire? Oui, les arrivants. T'y crois pas, FB? Ouais, vous pouvez la lancer aussi avec les points de chaîne sur TikTok, la prédiction, maintenant. Merci, Bouxy, pour le follow. Bienvenue à commu. On a 78% de bien sûr et 22% de non. Merci, Jenny, pour la prédiction. Pour rappel, demain soir, on continue, on va retourner sur Rush Week. Vous savez, le jeu un petit peu à la Scream de course-poursuite inspiré de DBD, de Massacre à la tronçonneuse qu'on a fait jeudi. C'est la sortie officielle demain, donc on en refera. Et je vous ferai gagner 2 clés pour le jeu à l'occasion sur Twitch. Ça, The King of Hell? Ouais, on va voir. Hein. Allez, c'est parti. Vu que c'est le 13ème, j'ai peur que le démon il soit... En vrai, ça pourrait être pire, on l'a croisé que 2 fois. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais... Les pélicans sont là. Tout va bien. Moi aussi, Marie, j'ai peur de me planter. Si on se plante, on essaiera de le faire en mode speedrun. En accéléré. Vu que maintenant, on a vu un peu des anomalies. Mais là, on va prendre nos temps, parce que c'est le 13ème, donc... Pour l'instant, tout est ok. Le chat est ok. Limite, je serais content que le démon soit là, même si ça me fait flipper, parce que ça voudrait dire que c'est anomalie, mais... Hell coming, il n'y a pas du sang sous le berceau. Le bébé a l'air ok, enfin ok en mode flippant, quoi. C'est vrai, psy? Oh, il y aura le replay sur YouTube. Vous avez tous les replays sur, sur YouTube, faut pas hésiter. Pour moi, tout est bon, là. Fusil, ok? J'ai pas beaucoup regardé le fusil, vous avez raison. Le fusil est ok. Le pendule, il tourne dans tous les sens, c'est normal. On est sur le plan astral, les amis, comme dans Insidious. Du coup, il n'y a pas de notion d'espace-temps, enfin, c'est un peu... J'ai un mauvais... je sais pas comment dire. J'ai cru que le bruit de la porte, c'était là-bas. J'ai eu comme un mauvais pressentiment qui m'a traversé. Zark, je suis Phoebe Halliwell. S'il y a un truc, le plafond, ouais. On a regardé avant. En fait, j'aurais préféré qu'il y ait une anomalie. Quand on voit une anomalie, on sait, on n'a plus qu'à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris la clé ou pas? Je crois que j'ai pas pris la clé. Ah merci à Keno Mama. Normalement vous pouvez faire point d'exclamation infogame, ça marche sur Twitch en effet. Je sais pas si on l'a pris la clé.
Non, on n'a pas la clé. Le miroir est ok. Quand il y a une anomalie, au moins on est sûr. Quand il n'y a pas d'anomalie, on n'est pas sûr. Et c'est ça qui est flippant. Le fait de ne pas être sûr. Putain, je trouve même pas la clé. C'est quoi ce bordel? Vous avez vu la clé, les amis? Ouais, on va checker l'armoire. Vous avez raison. L'armoire est ok. Merci Vasiliki. Merci beaucoup, nouveau petit fantôme. Bienvenue parmi les petits fantômes. Merci pour ton premier WhatsApp sur Twitch. Le piano, il n'y avait pas les lettres, mais pas sûr. On va aller voir parce que de toute façon, je trouve pas la clé, les amis. Il n'y a pas la clé, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas la clé, c'est quoi cet embrouille? Si, AAD. Il y a bien, il y a bien. Les amis, il n'y a pas la clé, c'est quoi ce bordel? Table basse? Ah, bien vu. Putain, j'ai l'impression que c'est du 1, les amis, je sais pas. J'ai trop peur de me planter. Merci beaucoup, Vasiliki. Merci beaucoup pour les messages d'anniversaire, de partenariat. Ça fait trop plaisir. Mais les échecs m'ont l'air bons, les amis. Putain, c'est chaud. C'est trop chaud. J'ai trop peur qu'on se plante, les amis. J'ai trop peur qu'on se plante. Le fusil, il y était. On est d'accord que c'est du 1. Tout le monde dit 1. Que ça soit sur Twitch ou TikTok. Tout le monde dit 1. Le téléphone, normalement, il est censé tourner tout seul. Ouais, on le refait, Loam. Vaut mieux passer 2 minutes ici. Si on se loupe, on le refera en speedrun. Mais là, on va pas faire en speedrun, on va prendre le temps. Les insectes étaient comme ça. Le lit était comme ça. La croix est à l'endroit. Il n'y a pas de marque au plafond. Non, la croix, elle est à l'endroit. Les insectes, ils étaient comme ça, c'est sûr. Putain, j'ai l'impression que c'est du 1, mais j'ai peur d'y aller, les amis. Je vous jure, j'ai peur d'y aller. J'ai peur de me planter. On y va? Tout le monde m'a dit 1. Je suis même pas sûr qu'il y ait un seul 2 dans le chat. Allez, on y va. Non, il n'y a personne aux fenêtres. Putain, j'ai trop peur de me planter, les amis. C'est nous? C'est notre chambre, c'est notre corps, les amis. On va pouvoir retrouver notre corps. On a des chaussons incroyables. C'est Démon dans Insidious, les amis, c'est Démon dans Insidious. Oh mon dieu! Oh putain, il aurait pu apparaître au-dessus du placard, vous avez vu? Oh mon dieu, je pensais qu'il allait venir plus tôt. Oh, il était horrible. Merci Wipperly pour le follow. Oh, il était en gros plan, les amis, il m'a terrorisé, je vous jure. Ça vous fait peut-être pas le même effet si vous avez pas vu le film, mais il m'a vraiment terrorisé dans le film, les amis, cette tête de démon. Parce qu'en fait, dans mon imaginaire. Oh, je lis la musique. Dans mon imaginaire, si un démon devait avoir une tête, il ressemblerait à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça marche autant sur moi. Mais je pense à... Oh mon dieu, regardez, il nous saute dessus. Là. Je pense que c'est tous les endroits où il peut être dans le jeu, peut-être. Il était cool, hein. J'ai adoré. Oh, la fin était vraiment flippante. Hein. Ouais, trop cool. Merci pour les GG, les amis. GG à vous aussi. Hein. GG à vous. Ça, c'est le genre de fin qu'on aime, les amis. Vous voyez? Tu peux faire une fin, une belle fin juste avec un jumpscare. Si t'as pas une histoire de fou à raconter à la fin, entre comme ça, juste tu mets un bon jumpscare avec un générique et musique. Et ça fait le taf. Ouais, elle est cool la musique. Trop bien. Pensez que. Il y a une scène post-générique où ils nous sautent dessus. Ouais, elle était vraiment cool.
Carlo. Il va apparaître après, on va faire un jumpscare. Il était... La fin était trop bien. Le jumpscare de fin, en fait, les jumpscares sont quali. C'est pas juste un truc qui apparaît à l'écran, et vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a des animations du démon qui se déplace un peu en saccadé, vous voyez ce que je veux dire. Les jumpscares ont été hyper bien réalisés, je trouve. Et pareil, quand elle était derrière le paravent, c'était trop bien fait l'effet que ça fait. Ces anomalies qu'on peut avoir, on aurait pu avoir les croix à l'envers. C'est Devius Pass, les amis, le jeu. Bon, mais elle était bien cool. J'espère que ça vous a plu.